sous les pieds des éléphants, par exemple, ils peuvent ressentir à 50, voire 60, voire 100 mètres ce qui se passe autour. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on dépose nos pieds, ça crée un 8, le chiffre de l'infini. On peut tester le fait qu'on crée réellement un 8 en marchant. Et ça se répercute à l'intérieur des jambes et ça remonte le long de la colonne et ça crée presque une spirale. Donc on marche en double hélice, en relation avec le sol et en relation avec l'œuf. Essentiellement la marche, c'est une forme d'un début de la danse. On sait aujourd'hui, là, récemment, qu'on a retrouvé sur des empreintes de pas de dinosaures, qu'il y avait eu déjà une première danse, une danse de séduction. La formalisation et les empreintes ont permis de déterminer que ce dinosaure était en train de faire une danse de séduction.
Qu'est-ce que du coup là, on nous promet des rois déjà, alors il n'y en a pas plus. Alors là il y a un roi, des rois, il n'y a pas de princesse, il y a un peu une reine. Okay. Déjà, au niveau du scénario. Je suis d'accord avec, mais oui. En voyant les gens, je me dis c'est censé dire une histoire, mais en fait, tous ces gens qui passent, c'est plein d'histoires. Ah oui, chaque personne qui passe est une histoire personnelle. C'est plein d'histoires, il doit y avoir plein de trucs. Il doit y avoir des sacrées pièces à monter après ça. J'étais prise dans le mouvement de tous les gens qui passaient. Et en fait, c'était très fluide. Et il y avait un scooter, un scooter, un groupe de trois, un groupe de deux, une personne qui était arrêtée au feu vert, une autre personne qui passait avec son caddie. J'ai presque eu l'impression, ça m'a fait penser à Jacques Tati. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de magie là-dedans. Je me suis laissée porter et embarquer et je me suis régalée. Parce que franchement, au niveau du son, c'est pareil. Il y a eu des moments comme ça, de bois, un peu de confusion. Tout le temps, grand silence. Et puis deux scooters qui passaient, hop, et puis de nouveau du silence. Et puis après, ça repartait. Voilà, merci. L'idée c'est de faire du travelling. Du coup je me cadre le paysage, je pose les limites et je peux déjà pour moi d'abord c'était d'abord pour pouvoir me observer comment je glisse dans le paysage, où est-ce que des moments je cut, il y a un truc qui m'attire, hop, je
peux le choper, ou comment j'agrandis la perception là jusque. Ah oui. Vous voyez le halo là autour du soleil? Ouais. Il y a un super beau halo. Oui. C'est absolument exceptionnel. Et il est très grand. Donc du coup pour l'englober. Voilà. Et en fait, avec ces baguettes, du coup, je peux plonger dans presque rien ou agrandir. Je peux aussi, ah ouais, ça j'adore, je peux retourner l'image. Wow. Vous êtes prêtes? Comment tu fais? Regardez, il y a plusieurs manières. Retourner l'image. Tu peux recommencer, j'ai pas vu. Je vais retourner l'image. Je ne l'ai pas fait encore. Ah, mais je vais le faire. Je regarde. Vous êtes prêtes? Ça fait longtemps que tu travailles ça là? Ouais, quelques semaines. C'est pas dangereux? Non. Pas, non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. C'est tout simple. J'ai retourné l'image. Il y a une autre manière. Attention. Hop, ça c'est. Non, mais ce qui est vraiment que j'adore, c'est que contrairement aux images plates, fixes, habituelles, dans celle-là, je peux. Wow! Oh, chaud! C'est un peu technique. Et là, je suis dans l'image, et c'est plus du tout pareil. Parce que je suis plus face au paysage, je suis dedans, je suis avec. Et je peux me relier à l'entière prise du panorama sans être coupé de lui. Ah, j'ai vu un cirque récemment où il baissait la baguette. Quand le cheval y passe, il baisse la baguette comme ça, c'est plus facile. Voilà. Il a tellement nettoyé la vitre qu'il a rendu.
Thank you.